Cette semaine, la sommelière Véronique Rivet nous présente un produit né au Québec et dont la renommée a traversé nos frontières. Ce breuvage est un des fleurons de notre terroir et c'est à Freilichburg, la magnifique, dans les cantons de l'Est, que l'on fabrique ce petit délice. Aujourd'hui, je vous présente un petit quelque chose de bien spécial. Un cidre de glace, mais pas n'importe lequel. Celui du Clos Sarania, élaboré par Christian Bartomeuf, qui est nul autre que l'inventeur du site de glace. Alors déjà, à la couleur, on voit qu'on a quelque chose de spécial. On a une couleur beaucoup plus sombre qui annonce un produit assez complexe, mais c'est aussi dû au fait que Clos Sarania laisse vieillir tous ses produits pendant presque 2 ans avant de les mettre en marché pour aller chercher justement des saveurs plus évoluées, plus complexes. Et quel nez! C'est en effet une explosion d'arômes. On est loin de la simple pomme. Il y a des notes de pomme confite, mais c'est du fruit sec, presque de la datte, de la figue, du raisin de Corinthe. Il y a des notes de caramel écossais, d'épices et une petite pointe qui me rappelle le whisky écossais. J'en ai des frissons. C'est incroyablement bon. Clos Sarania est aussi très spécial parce qu'il travaille de façon très, très, très écologique. Il n'y a aucun tracteur qui va dans leur verger. Ils ne travaillent qu'avec des chevaux pour labourer la terre, pour faire les travaux de traitement dans le vignoble. Quoique les traitements sont tout naturels, il n'y a aucun pesticide, aucun engrais chimique. Tellement bon que ça a besoin de rien d'autre. On le déguste seul à la fin du repas ou n'importe quand dans la journée quand on veut se faire un grand plaisir. Moi, si j'étais groupie de vignerons, j'irais planter ma tente dans sa cour.